Eulalie! Hey! Lâche-moi! Vas-y, Lali, et sauve-toi par cette porte. Mais je ne peux pas te laisser ici. Comment veux-tu que je fasse? Mais enfin, Lali, ne t'en fais pas pour moi. Sauve-toi d'ici, va-t'en. Non. Je ne vais pas t'abandonner dans cet enfer. Il faut absolument que tu viennes avec moi. Lali, je suis condamnée à vivre ici. Je n'ai pas d'autre choix, ni endroit où aller. Mais toi, tu es encore pure. Tu as tout l'avenir devant toi. Vas-y, Lali, tu peux refaire ta vie. Va le plus loin possible de cet endroit. Hé hey, je crois qu'elle est là. Vas-y, Lali, vas-y, cours. Vas-y, Lali, cours, cours, sauve-toi. Dépêche-toi, Lali. Cours, Lali, sauve-toi. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Non. Ouvre la porte. Va, Lali, hey, Lali. Ouvre cette porte. Tu vas l'ouvrir, oui. Dépêche-toi, mais Lali, ouvre-la. Mais où est-ce que tu vas, Lali? Tu ne l'auras pas. Hé, Lali! Lali, attends, attends! Bouge, Sanichai! Un pas de plus et je te troue la tronche. Mais t'es devenue folle. Tiens-toi. Si tu oses t'approcher de Lali. Tu me dégoûtes, face de macaque. Ce que tu m'as fait, tu penses faire la même chose à Lali? Mais cela ne se passera pas comme ça. Sanichari, ne sois pas bête et rends-moi cette petite, sinon je te promets que... Mais enfin, pourquoi tu es après cette fille, Bali? Cette fille appartient à Loa Singh. Elle s'est échappée du manoir. Et c'est moi qui vais la ramener. Qu'est-ce que ça fait? Je vais te donner beaucoup plus, moi. Non, attends, Lali! Je sais qu'en ce moment même, l'héritier de Monsieur Thakur est en train de se développer en toi. Et il est hors de question que tu me glisses entre les doigts encore une fois. Arrête-toi! C'est un ordre! Un enfant? Ce n'est pas vrai. Sauve-toi, Lali! Ne l'écoute pas! Sauve-toi! Écarte-toi! Sanichari! Lali, cours! Sauve-toi! Non, Lali! Tu vas commettre la plus grosse erreur de ta vie! Le maître te poursuivra sans relâche jusqu'en enfer! Le maître sait parfaitement que tu t'enfuis avec l'héritier de leur famille dans ton ventre. Ils vont pas te lâcher! Je ne porte aucun enfant en moi, je le jure! Aucun. Aucun homme ne m'a... jamais touché, vous savez. Alors pourquoi est-ce que Shekar a dit nos choses pareilles? Hein? Il aurait pu te rejeter et exiger une autre fille à ta place, Lali. Ou il aurait bien pu te descendre.
et se débarrasser de ton corps tout frêle en le jetant dans le fleuve, ma petite. Je ne vois absolument pas pourquoi le petit Sheka aurait menti au sujet de cette histoire en disant que l'héritier de la famille, Laura Singh, est en train de grandir dans ton ventre. Hein ? Tu veux me dire que Shekhar a menti afin de sauver ta misérable existence? Je crois pas. Écoute, si tu décides de ne pas retourner au manoir, Laura Singh ne réfléchira pas avant de loger une balle dans la cervelle de son fils chéri. Laura Singh va massacrer Shekhar. Il va le massacrer. Hey ! Beaucoup de temps. Dépêche-toi, va-t'en ! Hé, attends ! Où crois-tu t'en aller comme ça ? Je vais tuer chacune de vous, compris ? Lâchez-moi ! Va-t'en ! Va-t'en, Lali ! Regarde devant toi, va-t'en ! Elle est plus intelligente que vous. Vous vous souvenez? Vous m'aviez dit qu'on finit toujours par payer sa dette d'une façon ou d'une autre. Vous aurez cette occasion aujourd'hui. En m'emmenant ici, vous m'avez fait une très grande faveur sans même le vouloir. Grâce à vous, j'ai pu retrouver ma meilleure amie. Je sais qu'elle est toujours en vie. Si un jour nous allons pouvoir nous retrouver dans cette vie. Dieu seul sait si nous allons nous revoir. Et dans quelles circonstances? Peu importe les circonstances. Mais nous serons toujours les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Oui. Lali, sois très prudente dans le monde extérieur. Où que tu sois, bats-toi avec courage, ma chère amie. Et cela contre vents et marées. Maintenant, va-t'en d'ici. Va! Va-t'en, Lali! Lorsque t'as un peu de temps, pense à moi, Sunny Cherry. Ne m'oublie jamais. Ne m'oublie pas. Va-t'en d'ici. Cette fille, je l'ai achetée. Et je veux qu'elle soit ici à tout prix, Bali. Mais dis-moi,
Est-ce que tu vas prendre une éternité pour la retrouver? Écoute-moi bien. Je t'avais accordé un délai jusqu'à ce soir. Et il fera bientôt nuit. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Loasing. Faites-moi confiance. Vous savez, je connais cette région mieux que personne. Vous pouvez me croire, monsieur. Monsieur, nous allons retrouver cette gamine. Et quand je la retrouverai? Monsieur, je suis tellement navré de vous faire patienter autant. Je le regrette, monsieur. Je n'ai que faire de tes excuses bidon, Bali. Tu le sais bien. Bali? Ma patience est à bout. Je ne peux plus attendre. Le laps de temps que je t'avais donné s'est écoulé, Bali. Si tu ne retrouves pas cette fille, alors je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de commencer à tuer les membres de sa famille, un par un, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Est-ce que vous avez eu un souci? C'est l'enfer qui s'est déchaîné en entendant mes paroles. Maintenant, à toi de terminer ton boulot plus vite. Mais si par malheur tu ne finis pas le travail, alors je te fais la promesse que je ferai de ta vie un enfer. Qu'y a-t-il? Va-t'en d'ici. C'est pas la peine de rester ici. Va-t'en. Allez, va-t'en d'ici. Tu m'entends, Bali? Élimine tous les membres de sa famille un par un. Non, monsieur. Les histoires de meurtre et d'assassinat, ça va beaucoup trop loin pour moi. Bali! Si tu as le cœur d'une femme, alors embauche quelqu'un pour faire le sale boulot. Tu as passé un accord avec moi. Et je n'ai toujours pas eu ce que je voulais. Mais n'oublie surtout pas une chose. Je ne vais pas lâcher si facilement. Tu es en train de jouer avec moi? Alors moi aussi je vais jouer. Avec le sang de sa famille, je le jure. Pourquoi tu m'as caché cette vérité, maman? Écoute-moi bien. Tout ce que tu as à faire, c'est de te taire. Et garder ta bouche fermée. Maintenant, prépare-toi pour exécuter mon plan. Au revoir. Va-t'en. Est-ce que vous manquez de quelque chose dans cette maison? Alors pourquoi vous êtes tous les deux debout ici avec cette mine d'enterrement? La famille de Loasing ne croit qu'en deux choses. La première, c'est la terre. Et la seconde, la continuité de la lignée. Quitte à tuer des gens appartenant à des rangs inférieurs à la nôtre. Cela importe peu. En faisant cela, je pourrais au moins forcer Lali à revenir. Dieu soit loué.
Kajal. Je n'ai nulle part où aller. Dis-moi, ma déesse, toi qui écoutes et exauces les prières de tes enfants, pourquoi est-ce que tu ne me montres pas la voie? Je suis perdue. Je ne sais pas comment m'en sortir. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Si tu recherches vraiment une réponse, ma fille, alors ferme les yeux. Et maintenant, pose tes questions sans hésiter à ton âme. Ton cœur t'apportera les réponses. Où est-ce que le destin va m'emmener? Quel chemin dois-je emprunter? Dois-je penser à mon avenir? Ou alors sauver la vie de quelqu'un d'autre? Tu auras bientôt une réponse et tu verras clairement ce que tu désires. Tout est tellement flou. Il n'y a rien qui est flou. Essaie encore. Tu verras tout, mon enfant. Thank you.
Le château. Et lui. Mais... comment est-ce que je vais pouvoir me rendre au château? C'est ton destin qui te montre la voie. L'âme ne se trompe jamais. Suis ton cœur, ma fille. Pars en paix. Il te guidera sur la voie que tu dois suivre. Je t'ai acheté et amené ici. Élimine tous les membres de sa famille un par un. Alors moi aussi je vais jouer avec le sang de sa famille, je le jure. Mon mensonge va décider du sort de Lali. Elle va en souffrir. Non seulement elle, mais toute sa famille, tu sais. Et tu veux que je me taise? Est-ce que je pourrais le faire? Le temps est si beau, n'est-ce pas? Et une gorgée de tes choux serait la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'importe ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre sans toi. Écoute. Est-ce que quelqu'un a appelé? Non, monsieur. Vas-y. Va vérifier si le téléphone marche. Très bien. Le temps que je lui ai accordé s'écoule. Mais je n'ai toujours pas reçu d'appel de Bali. Qu'est-ce qui est arrivé à la jeune fille? Papa? Je sais bien que ce crétin de Bali n'est capable de rien. Et toi, tu crois aveuglément tout ce qu'il te raconte? Il ne pourra rien faire. Ranvijay, je t'en prie, surtout ne recommence pas. Tu veux que j'oublie Lali et que je me concentre sur une autre? Oh mais, papa, détrompe-toi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors? En fait, je voulais simplement te demander, pourquoi ne me laisserais-tu pas partir à la recherche de cette jeune fille, tu vois? Je connais cette région comme le fond de ma poche, papa. Je la connais dans ses moindres recoins. T'en fais pas, je m'en charge. Il me faudra pas beaucoup de temps. Je saurai y mettre fin, crois-moi. Je veux dire... cette histoire, papa. À mon avis, ton idée n'est pas... si mauvaise que ça, mon cher Ranvijay. C'est une question du prestige de notre famille. C'est pourquoi tu dois vraiment y aller. Quand iras-tu? Je me mets en route dès maintenant. C'est ce qu'on appelle saisir l'occasion au moment opportun, Ranvijay.
Emmène quelques hommes avec toi. Et mets-toi en route. Cherche toute sa famille et tue-les tous. Ce n'est qu'alors qu'elle sortira de sa cachette. D'accord, papa. Bola ! Altan ! Préparez-vous. Nous devons y aller. Mais souviens-toi. La jeune fille ne doit pas être blessée. Entendu, papa. Écoute, ne t'en fais surtout pas. Prends le nom du Tout-Puissant et fonce, mon garçon. Bonne chance. Sois béni. Attends ! Il va sur une mission importante. C'est vraiment pas nécessaire que tu te mêles de cela. Tu veux également l'accompagner ou quoi? J'ai quelque chose à te dire, papa. Vraiment? La vérité. Tu ne peux pas tuer toute sa famille sur un coup de tête. Et non plus les menacer, tu n'as pas le droit de le faire. Vraiment? Tu le sais parfaitement. Que je veux cette fille. À n'importe quel prix. Est-ce que tu aurais une meilleure idée que cela, tu peux me dire? Afin de ramener cette fille ici? Oui. Alors dites-le-moi, Votre Excellence. Que dois-je faire afin de ramener cette fille ici? Vous avez un plan, Votre Excellence? Ne fais rien. Rien du tout? Alors tu es convaincu que cette jeune fille va accourir ici de son plein gré et se jeter dans tes bras, tu le crois vraiment? Pourquoi est-ce que Ranvijay ne devrait pas aller la retrouver en utilisant ses propres méthodes? D'abord, réponds à cette question. Parce qu'elle n'est d'aucune utilité ici. Pourquoi cela? En vérité, je n'ai même pas approché cette fille. Loin de la toucher. Tu ne l'as même pas touché? Oui. C'est la vérité. Je n'ai pas eu de rapport avec elle. Elle ne porte pas l'héritier de cette famille. C'est faux d'y penser. Je l'ai laissée s'en aller. Exactement comme elle était venue ici. Thank you.
Mais qu'est-ce que t'as fait, Shekar? Tu n'as même pas touché cette fille? Tu l'as dit si facilement. Sans aucune hésitation. Sans penser à moi. J'ai tout essayé. J'ai franchi toutes les limites afin de retrouver cette fille. Et maintenant tu me dis qu'elle est partie d'ici. Exactement comme elle était venue. Tu ne l'as même pas touchée. Tu me prends pour un idiot? Est-ce que je suis un bouffon dans un cirque? Tu t'es bien amusé au spectacle. Et à la fin, tu t'es dit que le spectacle est terminé. Et que tu en as eu pour ton argent. Je sais que je t'ai fait de la peine, papa. Et je suis prêt à payer le prix pour ça. Tu vas payer le prix? Comment comptes-tu le faire? Comment vas-tu payer le prix? Montre-moi. Shekar, mais que fais-tu? T'as perdu la tête ou quoi? La mort n'est pas loin de moi maintenant. J'en ai vraiment marre de vivre une telle vie. Je t'ai fait de la peine en te mentant, n'est-ce pas, papa? Tu as cru que j'avais l'intention de t'humilier. Ça t'a fait mal? Tu t'es senti blessé car je t'ai menti, n'est-ce pas? Tu n'as même pas pensé à ce qu'allait endurer ta famille quand tu as voulu utiliser cette fille innocente pour arriver à tes fins. C'est toi qui as acheté cette fille. C'est toi qui l'as gardée emprisonnée. Et tu veux que ta famille te soutienne dans tes mauvaises actions et devienne tes complices? Mais tu sais quoi, mon cher papa? Moi, je ne le ferai jamais. Et dans une telle situation, il n'y a pas de place pour nous deux. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller. Shekar ! Shekar, non, Shekar ! Arrête-toi, maman ! Ne t'approche pas ! Je te le répète, ne t'approche pas !
Ne t'en fais pas, Sumitra, il ne va rien faire. C'est très facile de menacer les gens, Shekar. N'importe qui peut le faire. Mais ce n'est pas si facile de se tirer une balle dans la tête. Aujourd'hui, on va voir si tu es vraiment si brave. Tire-toi une balle dans la tête. Non! Non! Oui! Montre à tout le monde le jeu de la mort! Montre comment un père peut pousser son fils à se tirer une balle dans la tête. Admirez ce beau spectacle! C'est la démonstration de la folie de quelqu'un rempli d'arrogance. Il ne reculera devant rien, même pas la mort de son fils. Qu'est-ce que tu attends, Noah? Termine le jeu! Tu veux bien te taire, papa? Vas-y, tire-toi une balle. Ce n'est plus nécessaire maintenant, Monsieur Lohasing.
Comme vous le voyez, je suis revenue. Vous avez dépensé 90 000 roupies pour m'avoir, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous subir une telle perte? L'objet que vous avez acheté est là devant vous. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. C'est à vous d'en décider. Je suis désormais condamnée à passer le reste de ma vie dans ce château. Pour vous servir. Donc tu es enfin revenu après avoir vu le monde. Tu es revenu à tes sens. Eh bien, il en était temps. Je pense que tu as enfin obtenu les réponses à toutes tes questions, n'est-ce pas, ma chère Lali? Tu as sûrement réalisé que tu ne trouveras pas le confort et le luxe que tu as dans le manoir de Lorazine ailleurs. Oui, monsieur Lorazine. Je peux bien m'adapter à ce château avec mon âme meurtrière.